Je m'appelle Véronique Pellé, j'aime les plantes depuis toujours, la nature, tout ce qui est la découverte de l'environnement. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est ma connaissance des plantes sauvages comestibles, qui est issue de mon travail sur le terrain, des livres dans ma bibliothèque assez importante, et de quelques stages que j'ai fait avec François Couplan. Et tout ça, je le transmets depuis 2010 à des personnes autour de moi. J'emmène les gens en balade, ce que j'appelle des balades gourmandes, pour leur enseigner la connaissance des plantes sauvages comestibles. Et même cet enseignement m'a apporté des informations supplémentaires. Parce que je voyais que les personnes ne comprenaient pas tout de suite. Donc du coup, j'ai cherché comment je pouvais encore mieux leur montrer les plantes sauvages comestibles. Est-ce qu'il était important de dire ? Et je le fais avec des personnes qui n'ont aucune connaissance en botanique. C'est important pour moi de pouvoir amener les gens à connaître la nature sans savoir universitaire de base. Mon enseignement, c'est vraiment un enseignement qui est plus populaire, on va dire. Ça s'adresse à tout le monde, mais c'est vraiment issu de la nature, de ce qu'on observe. Bonjour. Donc, je suis ravie de vous présenter aujourd'hui. Donc, on est au mois de janvier, en plein hiver. Une plante du plein hiver qui est super intéressante parce que en fait c'est une petite salade d'hiver, c'est donc la doucette. C'est une des 10 plantes qui est reconnue au niveau mondial pour sa teneur en oméga-3. Oméga-3 très très important pour nous aujourd'hui, au même titre que la vitamine C autrefois, avec notre alimentation industrielle. Donc, la doucette, comment la repérer, comment la trouver? Donc là, on se trouve dans un verger où il y a un petit peu de sol mis à nu. D'ailleurs, on voit bien un ensemble de plantes qui poussent très facilement avec la doucette. Donc il y a deux toxiques dont je vais vous parler. Ce n'est pas des grosses toxiques, mais voilà, c'est des toxiques quand même. Et la doucette se trouve dans ce type de terrain typique, sol à nu, avec une bonne exposition au soleil pour l'hiver. C'est vraiment les endroits où vous pourrez les trouver, donc verger, maraîchage, bien exposé en hiver, donc plein sud, et sol à nu. C'est les choses importantes pour arriver à les repérer. Donc après, on fait comme on a fait aujourd'hui, on recherche des vergers, des maraîchages, et on observe les plantes qui poussent. Donc la doucette, la voilà ici. Donc c'est une plante avec... La doucette, en fait, c'est la même espèce que la mâche. La mâche étant la version cultivée de la doucette, mais c'est exactement la même plante. On a pris la plante sauvage et petit à petit on l'a cultivée et on a développé ses feuilles. Elles sont un peu plus épaisses et un peu plus larges. Par contre, au niveau saveur, la doucette, elle est vraiment, comme son nom l'indique, elle a une saveur plus sucrée, plus douce, plus craquante. Franchement, je l'aime beaucoup. En plus d'être gratuite, elle est géniale. Au niveau des oméga-3, j'ai pas trouvé de chiffres, mais elle est reconnue pour ça. Une des 10 meilleures plantes en oméga-3. Donc pour les usages de la doucette, c'est comme la salade aussi qui a cette tendance, la doucette fait partie des plantes qui aident à s'endormir. Elles ont une tendance calmante, ça ne fait pas partie des plantes
dont on dit qu'elles sont calmantes, mais une laitue mangée le soir, ou de la doucette, ou de la mâche d'ailleurs, version cultivée, va avoir cette tendance à calmer, à aider au sommeil. Donc, pour les nutriments de la doucette, j'ai pas de données chiffrées pour la doucette. Par contre, donc, comme je le disais, une des 10 meilleures plantes au niveau des oméga 3, j'ai écrit tout un dossier sur les oméga 3, je vous invite vraiment à aller lire ce dossier sur les oméga 3, c'est un... Outre la cosmétique dont on parle assez souvent pour les oméga 3, les oméga 3 sont vraiment très importants au niveau neuronal. Un manque d'oméga 3 peut créer des maladies alors je ne sais plus si on dit neurodégénératives, enfin des maladies neurologiques, ça c'est sûr, genre schizophrénie quand même, hein. Genre dépression profonde. Donc on voit à quel point les oméga 3 sont importants. Donc vraiment, je vous invite à aller lire ce document. Alors c'est la version des oméga 3 végétaux. Les oméga 3 en fait sont très importants dans les cycles de vie, dans les cycles de nutriments. Si on ne les a pas au niveau végétaux, on ne les retrouvera pas plus tard. C'est-à-dire que si on mange de la viande ou du poisson, s'ils n'ont pas mangé chez les poissons de phytoplancton qui sont bourrés d'oméga 3, vous ne les aurez pas plus tard. Ils ne sont pas créés dans la chaîne alimentaire. Ils sont juste transformés. Et la viande, c'est pareil pour nous. Si nous ne mangeons pas dans notre chaîne alimentaire des oméga 3 par le biais de mâches, il y en a dans les noix, il y en a dans le lin, vous ne les retrouverez pas et ça va vous manquer au niveau cellulaire, c'est très important. Ça fait partie des acides aminés essentiels, les oméga 3, et qui contrebalancent les oméga 6. Qui ont des vertus inflammatoires, c'est nécessaire dans l'équilibre inflammatoire, anti-inflammatoire, donc anti-inflammatoire pour les oméga 3. Après, il y a beaucoup, d'autres minéraux très intéressants, mais j'ai pas de chiffres. La recette pour la doucette, c'est la salade. Peut-être qu'il y a des soupes avec ça doit être très bon d'ailleurs, c'est assez doux comme saveur. Vous devez connaître la mâche, donc c'est encore plus doux, encore plus savoureux, il y a quelque chose en plus intéressant. Voilà ce qu'on fait avec la doucette. Donc voilà pour cette deuxième plante de l'hiver qui est assez exceptionnelle, que vous ne trouverez qu'en hiver. La mâche, on peut la récolter un peu tout au long de l'année. La doucette, vous ne la trouverez qu'en hiver. Vous la trouverez entre le mois de novembre et le mois de mars. Voilà.